Merci à Thomas, merci à Thierry, à toute l'équipe de l'IFRI, de la World Policy Conference, pour cette 11e session très réussie et très stimulante. J'aborderai trois sujets qui ont été un peu évoqués ou pas du tout. Les questions d'identité, le conflit en Ukraine et la renonciation unilatérale au traité FNI de la part des États-Unis. L'identité, on en a parlé ici ou là, ce n'est pas un sujet facile, il n'est pas facile à saisir, et en même temps, on a vu quand même monter cette thématique en politique intérieure, aussi en politique internationale, et au fond, tout le monde peut admettre aujourd'hui qu'il y a une interaction très directe entre la mondialisation et le réflexe identitaire. Mais ce n'est pas simplement un réflexe, une espèce de compensation qu'on pourrait qualifier de naturelle, ça va beaucoup plus loin. C'est une véritable régression dans beaucoup de cas et c'est un sujet qu'il faut aborder. Très modestement, petit format, boutique, l'Observatoire Pharos que nous avons lancé, un groupe d'amis, une dizaine d'années, a essayé d'aborder plus directement ce sujet dans des zones de conflit, de menaces ou de pure réduction des minorités. Je ne vais pas l'aborder maintenant, mais on voit bien qu'il y a là une menace qui se propage, une espèce de maladie qui se répand, de régression, de réduction de l'autre. Et c'est un phénomène que l'on a un peu trop tendance à immédiatement placer sur le terrain religieux. Et évidemment, les minorités religieuses sont menacées, pas simplement au Proche et au Moyen-Orient, mais ça n'est pas seulement religieux. C'est pour ça que nous insistons sur le pluralisme culturel et religieux. Le contre-exemple que je prends toujours, c'est de dire, pardon à nos amis espagnols, allez à Barcelone, et si vous trouvez à Barcelone des indices religieux, tant mieux. Mais on a affaire à des réflexes identitaires, que je ne veux pas qualifier au-delà, mais qui n'ont rien à voir avec le religieux. Donc, ce serait réducteur, même s'il y a une réalité et la composante religieuse, qui n'est pas forcément un retour, mais qui est un élément mobilisateur, dans le réflexe identitaire est devenu quelque chose qui, évidemment, est un peu obsédant. Donc, tout le problème que l'on a, c'est qu'on a une approche réductrice de l'identité et, au fond, c'est une identité de rejet que l'on cherche à mobiliser, alors que, quand vous regardez l'histoire, c'est plutôt où vous pouvez plutôt vous référer à une identité de projet. Pourquoi cette réduction ? Quand en réalité, ce que l'on peut essayer de définir comme identité évolue avec le temps, elle n'est pas fixée une fois pour toutes, en fonction du contexte. Alors, il ne faut pas la nier, c'est une réalité historique et c'est même un besoin. C'est un besoin qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Mais il ne faut pas l'essentialiser, le ramener à une seule dimension et c'est là que le danger devient terrible. Parce qu'il y a de quoi nourrir des conflits et des confrontations et des éliminations aux besoins radicaux. Et le prix Nobel donné à une yézidie récemment, on a vu ce que ça veut dire que de réduire et de rejeter et d'éliminer une minorité de façon quasiment irréversible. Et ça n'est pas la seule, loin de là. Alors, je crois que là, il y a un premier signal à retenir. Comment aborder ce sujet ? Le nier serait absurde, mais en même temps, l'essentialiser, c'est la pente glissante qui va vers le drame et le crime. Le deuxième point que je voudrais évoquer très rapidement, c'est le conflit ukrainien. Je crois qu'on n'a pratiquement pas parlé pendant ces trois jours. Et pardon, mais dans la mesure où je suis en charge avec toute une équipe de l'OSCE, de la médiation proprement politique, de la négociation qui était censée régler ce conflit et qui ne fait malheureusement au mieux, autant que possible, que de la gestion de conflit, il y a là un phénomène grave et ce que j'appelle une tragédie oubliée. Et d'une certaine façon, pire encore, elle n'est pas oubliée, elle est banalisée. Ça va de soi, en quelque sorte. Et nous approchons à peu près de la 100e session de négociation. Je rappelle quelques chiffres. Une guerre en 2014, de 4 mois, 10 000 morts en Europe. Une ligne de contact, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour ne pas dire ligne de front. Mais enfin, il y a des incidents chaque semaine, des enfants qui sautent sur des mines, des files d'attente qui sont atteintes par des tirs de mortier, etc. Sur 500 km, dans le hasard le plus complet, la ferme est d'un côté, le champ est de l'autre. Et sur ces 500 km, il y a 4 points de passage, avec des queues interminables,
de braves dames qui portent des sacs. Et vous savez bien que dans cette région, on est à moins 20 au mois de janvier et de février. Je ne développe pas. Il y a un millier d'observateurs de l'OSCE qui sont sur le terrain pour analyser les violations. Ça n'est pas une force des Nations Unies, c'est l'OSCE qui est au maximum de ses possibilités pour identifier si c'est des tirs d'armes lourdes, si c'est des mortiers de 80 ou des mortiers de 120 et évaluer la direction avec des drones autant que possible sur lesquels on tire, que l'on brouille au besoin alors que normalement toutes les parties se sont engagées à respecter cette mission de surveillance sur le terrain. C'est vous dire que c'est une affaire grave et que finalement cette banalisation, alors que ceci touche une population d'à peu près 4 millions d'habitants, 3,5 millions sur place, 1,5 million de réfugiés, mais ces millions de réfugiés ne sont pas allés dans les capitales ou à nos frontières. Non, ils subissent depuis, disons, 4 ans, essentiellement en Ukraine, en partie en Biélorussie, en partie en Russie. Voilà une situation dans laquelle, à laquelle on s'est habitué d'une certaine façon. Alors que ça n'est pas un conflit gelé, je tiens à le souligner, ça n'est pas le Karabakh, ça n'est pas la crise en Géorgie, ça n'est pas la Moldavie. Il se trouve que je me suis occupé plus ou moins, et pour certains longuement, de ces trois conflits. Ils n'ont pas dérangé l'ordre de sécurité européen. Le conflit en Ukraine a remis en cause l'ordre de sécurité européen, avec ses forces et ses faiblesses. Mais il a 40 ans, cet ordre de sécurité. Il remonte à l'acte final d'Helsinki. Voilà où nous en sommes. Le régime de sécurité collective, de facto, de l'Union européenne, du continent européen, et vous le savez, l'OSCE inclut les États-Unis et le Canada par le jeu des alliances, est suspendu par ce conflit. Et donc, tant que l'on ne sortira pas de ce conflit, on aura un régime qui flotte, qui est incertain et qui peut permettre d'autres abus et d'autres développements, sans parler de la souffrance qui s'approfondit et surtout du désordre qui s'installe. Car c'est une région qui se retrouve sans normes, sans lois, et il est temps de retrouver le moyen de définir des règles. Mon dernier point, c'est au fond dans l'intérêt aussi de la sécurité européenne, c'est le retrait unilatéral du traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui vient d'être annoncé par les États-Unis. Et là aussi, traité de 1997, après une longue négociation, vous vous souvenez, les Pershing, les SS-20, etc. 30 ans de stabilité dans ce registre, des milliers de missiles qui ont été détruits et quelques codes qui se sont mis en place. Les conséquences immédiates, on les voit. C'est évidemment facile, et on peut s'y attendre dans le discours russe pour dire, eh bien voilà, encore les États-Unis qui rompent un accord, ils sont responsables, ils sont entièrement à l'origine de cette affaire, même si, vous le savez, il y a eu de graves interrogations sur le respect par la Russie les essais, la préparation de certains missiles. Plus généralement, pour tous les autres, c'est une sorte d'ouverture. Et on sait très bien que ce genre d'abolition et de refus conduit les états-majors à faire des plans. Il faut penser à 5 à 10 ans. Et un chef d'état-major, un ministre de la Défense, va se dire « je ne peux plus faire l'impasse sur cette dimension ». Et donc, ce sont des programmes d'armement qui se préparent. Alors, on peut se dire « ça y est, encore un dérapage ». Je glisse une idée, une option. Après tout, puisque ce traité, d'une certaine façon, et c'est l'argumentation américaine, a laissé de côté la montée puissante d'autres capacités de forces nucléaires nucléaires intermédiaires en Asie, et le sujet est vaste, je ne l'aborde pas, pourquoi ne pas essayer de rebondir? J'ai un exemple qui m'est venu à l'esprit. J'ai participé pendant 4 ans à la mise au point de la Convention d'interdiction des armes chimiques. Cette négociation durait depuis 7 ans. Et à la fin de la guerre Irak-Iran, il y a eu ce drame, vous savez, d'utilisation des armes chimiques contre la population irakienne par Saddam Hussein, Halabja, avril 1988. Assemblée générale des Nations Unies, sursaut, initiative de la France, convocation d'une conférence spéciale à Paris pour relancer la négociation sur l'interdiction des armes chimiques. En 2 ans, on a réglé ce qui traînait depuis 7 ans. Alors, c'est un concours de circonstances bien particulier, le sentiment d'une horreur inacceptable, mais enfin, on le savait,
et on négociait inlassablement en s'enlisant dans les problèmes techniques. Une volonté politique s'est manifestée. Donc, je pose la question. La signature a été lancée en 83. Il avait trois ans pour terminer tout ça. Pourquoi ne pas reprendre cette négociation sur les forces nucléaires intermédiaires? Alors, vous me direz quel cadre, quels participants. Certes, ce n'est pas simple. Une conférence. Mais aujourd'hui, comment peut-on encore organiser des conférences internationales? C'est très frappant. On a des réunions, des groupes d'Astana, des rencontres à Istanbul, à Genève, des bouts et des morceaux, une espèce de zapping perpétuel. Alors peut-être commençons par des formules intermédiaires, des panels régionaux, ou alors tout simplement pour poser la problématique, d'abord un bon rapport d'experts qui pose la question des forces nucléaires intermédiaires dans le monde et les risques qu'elles représentent. Je lance l'idée, je constate simplement que si on laisse aller les choses telles qu'elles sont sans avoir une espèce de sursaut d'abord intellectuel et de réflexion politique et stratégique sur les conséquences, nous préparons encore un cycle supplémentaire comme s'il n'y en avait pas assez de courses aux armements. Alors, au fond, on a de nouveau ce choix aujourd'hui entre ce que j'appellerais le cynisme complet, la résignation, le brutalisme des initiatives ici ou là, et finalement la prospérité de l'unilatéralisme. Tout le monde est contre l'unilatéralisme officiellement et tout le monde se met à le pratiquer. Ce que nous n'avons pas obtenu, c'est une sorte de multilatéralisme où chacun, au fond, regarderait l'autre. Ce que l'on a, c'est du multi-unilatéralisme. Alors, si l'on veut continuer, on peut. On sait où ça nous conduira. Et je crois que les quelques exemples que j'ai évoqués sont des rappels pour essayer de réagir. Merci beaucoup.